Salut à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo des plus étranges, comme vous avez vu dans le titre. Donc, c'était une vidéo pour savoir votre avis. Donc, est-ce que je garde cette petite frange ou est-ce que je reste comme je suis? Parce que oui, effectivement, j'ai envie d'un changement capillaire, mais je ne sais lequel. J'ai pas trop envie de faire une couleur parce que j'ai déjà le reste, comme vous pouvez le voir, de ma couleur précédente. Ça me fait maintenant un peu roux, je trouve. D'ailleurs, en vidéo, ça ressort roux, c'est bizarre. Donc voilà, bon, pour faire cette frange, c'est tout simple, c'est tout con. J'ai carrément remis une pointe. J'ai fait un chignon. Non, j'ai fait une queue de cheval. J'ai pris une mèche. Je l'ai fait revenir sur le dessus. Je l'ai accroché. Bon, j'ai fait un chignon par-dessus. Et avec mon fer, j'ai. Comme les franges, on fait. Allez, une sorte de bigouli comme ça. Donc voilà, c'est pour avoir votre avis. Est-ce que je me fais vraiment une frange? Parce que comme vous pouvez le voir là, ce n'est absolument pas du tout à la même hauteur. Vu que mes pointes de mes cheveux sont un petit peu en dégradé, du coup, c'est un peu compliqué. Donc je sais pas, moi j'aime bien la frange. Je trouve que ça change. Je suis sûre que si je sors comme ça, on ne me reconnaît pas dans la rue. Ça c'est clair. Ça fait trop bizarre de me voir avec une frange. Je sais pas, j'ai envie de tester la frange. Dites-moi tout ça en commentaire, qu'est-ce que vous préférez, frange ou pas frange? Pour voir le résultat pas frange, je vous laisse regarder mes anciennes vidéos où, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas de frange. Mais ça fait vraiment trop chelou. Ah, par contre, l'inconvénient de la frange, c'est que ça pique dans les yeux. Je sais pas, j'aime bien la cap frange, je trouve que ça change. Je sais pas. Je sais pas. Je vais m'admirer comme ça toute la journée. Je vais essayer de garder la frange et voir s'il me reconnaît dans la rue. Ça pourrait être sympa. Ou alors je garde pas la frange. Parce que. Je sais pas. Je trouve ça trop chelou. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires. Votre avis, frange ou pas frange? Voilà. Prenez soin de vous surtout. Bisous. Qui complétera ma petite série de comment bien commander sur AliExpress. Donc ça sera le numéro 3, comme vous avez pu voir dans le titre.